Qu'est-ce qu'un business evergreen? Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler business evergreen. Alors les amis, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un business evergreen? Evergreen, c'est quelque chose qui est vert toute l'année, d'accord? Evergreen, toujours vert, ça fait référence au monde botanique. Dans le monde du marketing, un business evergreen, c'est un business qui est persistant, qui est résistant, qui reste vert toute l'année quelque part. En gros, c'est un business dans lequel vous n'allez pas devoir tout le temps changer votre promesse, changer votre produit, etc. Pour le business digital, le business en ligne, un business evergreen, c'est une stratégie qui reste la même pendant des mois et des années, tout en générant de nouveaux prospects et des nouvelles ventes. C'est quand même une pratique qui garantit un site web à succès. Après, évidemment, si votre offre est merdique, si vous êtes un arnaqueur, si, voilà, c'est pour ça que souvent, les mecs, ils restent pas sur le web quand ils ont des offres merdiques. Donc vraiment, moi, je vous conseille de construire un business evergreen. Un business evergreen, donc, il n'est pas périssable. Comment vous allez faire ça? Vous allez faire ça déjà en ayant des publications qui sont qui s'indexent dans le temps, c'est-à-dire en faisant des mots-clés. Je veux dire, comment draguer une fille? Il y a des gens qui cherchent ça aujourd'hui, mais il y a des gens qui chercheront ça dans 2 ans. Par contre, comment autour de l'actualité, la loi Chiappa ou autre, c'est du contenu périssable. Les gens s'y intéressent au moment de l'actualité, mais après, ils s'y intéresseront plus. Donc franchement, je vous conseille de vous concentrer sur le référencement et sur le référencement surtout sur des mots-clés qui intéressent les gens aujourd'hui, mais qui intéresseront les gens aussi dans 2, 3, 4 ans. Ça vous fait du travail qui se cumule et non pas du travail que vous devez refaire tous les jours. Un communiqué de presse, vous devez toujours le refaire, l'actualité, ça change, voilà. Par contre, il y a des trucs stables, comment créer un business à succès, comment draguer une fille, etc. Tout ça, c'est important, comment séduire un homme, tout ça. Donc ça, c'est important. Aussi, il faut faire du travail de qualité, donc sur vos articles, sur vos vidéos, mais également sur vos offres commerciales. Parce que si ça se sait que vos produits sont merdiques, que vous ne remboursez pas les clients mécontents, que vous êtes un arnaqueur quelque part, ou voilà, que vous êtes le genre d'escroc qui prend la balette et qui s'en va, vous ne tiendrez pas sur le web. Il vaut mieux rester sur le web présent et tout que de faire ça, faire un gros coup et puis disparaître. Vraiment, c'est louche, souvent c'est malhonnête, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis. C'est une stratégie qui va perdurer dans le temps et vos produits aussi devraient quelque part durer dans le temps. Voilà. Et puis après, vous vous concentrez en fait sur les produits phares de votre activité. Quand vous avez des trucs obsolètes, ben vous les mettez à jour ou alors vous arrêtez de les vendre. Voilà, ce genre de truc, vraiment, ça va vous permettre d'avoir un business evergreen et c'est comme ça que vous allez pouvoir générer un effet cumulé et pouvoir vendre de plus en plus et scaler. Tandis que si vous devez toujours tout reprendre à zéro pour être en accord avec l'actualité, les trucs qui changent et machin, vous allez pas pouvoir accumuler du travail et donc grossir. Après, l'actualité, c'est bien de faire des sujets de temps en temps en lien avec l'actualité. Quand il y a un gros buzz, il y a un de mes confrères coach en séduction qui a fait un gros buzz grâce à l'affaire Traoré. Voilà, cherche le rapport. Et il y en a qui peuvent faire des gros buzz. Emmanuel Macron est-il gay? C'était au moment de la polémique. Il peut faire un gros buzz et prendre plein d'abonnés comme ça. Mais il ne faut pas faire que ça, sinon votre stratégie est complètement périssable. Vous pouvez en faire de temps en temps du contenu périssable, hein. J'ai pas dit ça. Mais voilà. Et surtout aussi, travailler sur l'honnêteté, sur l'éthique, sur faire des produits de qualité pour que vos clients restent clients et redeviennent clients. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je m'investis moi pour transformer mes clients en reclients, qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient envie d'aller toujours plus loin, etc. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien expliqué ce qu'est un business evergreen. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. J'ai un logo privé Argent Comptant sur Facebook. Téléchargez votre heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.